Maman, ça avance de ton côté? T'as plié le linge? Cool, tu passes l'aspirateur maintenant? Tu feras gaffe, hein? Je crois que le sac est plein. Faut peut-être le changer. Maman, ça te dit si à midi on mange le chat avec de la gelée de groseille? Ah bah d'accord, je vois le genre. J'y crois pas. Il faut donner 2 cristaux magiques à Protox pour passer les portes de la jungle maudite. Non. Oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? À part rester allongé, rien justement. Quoi? Tu plaisantes? Je viens de trouver la solution pour passer le 3e tableau de Super Dario. Et moi, je viens de faire une semaine de vaisselle Super Crado. T'as trop assuré, bien joué Louloute. Pour fêter ça, je propose pizza royale chez Gino. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'en ai marre. Marre de faire le ménage toute seule, marre des jeux vidéo et marre des pizzas, voilà. Marre des pizzas? Pas de problème. Gino, c'est le roi des spaghettis. En fait, je crois que j'ai envie de changer d'air. Ouais, bon, c'est décidé, je vais passer le week-end chez Mina. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je sais pas, moi. Le ménage. Tu veux rester tout le week-end, t'es sûre? Ben oui, pourquoi? Ça t'embête? Moi, non, au contraire. Mais c'est toi qui risques d'en avoir marre. Mais non. Bah, j'ai une compétition de danse demain matin et puis il y a mes parents. Oui, bah tu sais, chez moi, ma mère est scotchée à sa console toute la journée, il y a de la poussière partout et rien dans le frigo. Ça peut vraiment pas être pire. Pas sûr. Enfin, c'est toi qui vois. Bienvenue. Mademoiselle. Merci. Décidément, j'adore chez toi. C'est toujours propre et bien rangé. Zen, quoi. Dis, maman, Lou peut passer le week-end avec nous? Bien sûr, mon cœur. Lou, tu aimes le somtam? Le som quoi? Le somtam, ce sont des petits morceaux de papaye verte mélangés avec des cacahuètes, des fruits de mer séchés et des légumes. Le tout servi avec une vinaigrette épicée, du riz gluant et du poulet grillé. Waouh! Ah, le four est chaud. Déjeuner dans 12 minutes et 45 secondes, les filles. Sidera, la baroudeuse du cosmos, avait décidé d'affronter cette nouvelle épreuve. Elle allait enfin se poser sur la planète Infector et éliminer la vermine qui régnait en maître depuis trop longtemps. Yeah, à nous deux la crasse! C'était délicieux, Joss. Et aucune portion ne dépassait les 254 kilocalories. Bien, voyons le programme de votre après-midi. Je vote pour sieste devant la télé et grignotage de gâteau au parc. Ou l'inverse, ça me va aussi. Tiens donc, formidable idée, Lou. Mais j'avais déjà prévu quelque chose. La visite de l'exposition de l'artiste Dean Van Ho. Et ensuite, Mina ira à son cours de danse. Départ dans 7 minutes et 20 secondes. Ben quoi, t'aimes pas les expos? Les expos aussi. Mais les expos avec ma mère, c'est spécial. Par la dramatisation des scènes, la simplification, voire la caricature qui caractérise son œuvre, Dean Van Ho renoue avec l'expressionnisme tout en s'intégrant à l'art moderne. Comme vous pouvez le constater vous-même, les filles, ce tableau représente quelque chose de fondamental. Un coquelicot? Pas du tout. Il représente avant tout un tournant dans la carrière de l'artiste. En effet, Dean Van Ho a totalement intégré la notion d'avant-garde. Je te l'avais dit. Par les artistes dans leur priorité donnée à la recherche. Hey, t'es ronchon, toi. Elle est passionnée, c'est génial. Moi, je trouve ça intéressant, en plus. Bon, venez les filles, allons voir la salle avec ses œuvres de la période tardive. C'est encore plus fascinant. Allô? Maman, c'est moi. Tout va bien? Ça avance côté ménage? Oui, impec. Et toi, ça va? Super, on sort d'une expo et là on va au cours de danse de Mina. Ok, génial, amusez-vous bien. Je ne voudrais pas te mettre la pression, Mina chérie, mais c'est le dernier entraînement avant la compétition.
Merci, maman, je suis au courant. Je passe vous chercher dans une heure disprécise. Dis donc, on peut dire que tu t'ennuies pas le week-end, toi. Et encore, celui-là, il est cool. Tu veux pas qu'on aille s'acheter un goûter? Non, la prof n'aime pas qu'on soit en retard. Oh là là, l'autre, elle va me faire croire que son cours de danse, c'est l'armée. Je vous rappelle que les guêtres de danse ont une longueur réglementaire. 10 cm au-dessus du genou. Pas plus, pas moins. Ne me dites pas que je suis encore en retard pour le loyer. Vous êtes encore en retard pour le loyer. Bien, ok, entrez. Je vais vous faire un chèque. Allons bon. Vous avez encore essayé de cuisiner? Non, pourquoi? Ça sent le brûlé. Ah, c'est pas possible. Oh non. Le t-shirt de fétiche de loup. Ça, c'est la tuile. Allons, allons, il suffit de le rapiécer. Rapiécer? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le recoudre, quoi. Ah! Mais je sais pas coudre. Ni passer l'aspirateur, ni cirer les parquets. Je voulais que l'appartement soit tout propre au retour de Lou. C'est raté. Oh, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Le ménage, c'est bête comme chou. Et je suis sûre que vous êtes plus doué que vous ne le pensez. Vous croyez? J'en suis persuadée. Je vais vous montrer. Commençons par les carreaux. Qu'est-ce que vous utilisez pour les laver? Ben, la pluie. C'était lamentable. On dirait une bande d'hippopotames en basket. Enfin, ça ne sera jamais pire que la semaine dernière. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu vois, elle trouve que vous avez fait des progrès. Elle est positive, en fait. Dites, madame, vous pensez qu'on a une chance de gagner la compétition demain? Est-ce que j'ai une chance de rajeunir? Bon, te laisse pas abattre. Allez, viens, je te paye un banana split. Ok. Mina chérie, j'ai 1 minute 57 d'avance. Je vous attends dehors. Bon, petit questionnaire, truc et astuce. Que faire lorsque sa bouilloire est attartrée? On la jette. Oh, on la passe au vinaigre. Que faire avec de vieux draps usagés? On les jette. Faux. On les découpe pour faire des chiffons. Que faire avec de vieux pots de yaourt usagés? Attention, il y a un piège. On les garde. C'est sympa pour faire des maracas. Faux. On les jette. Je vous l'avais dit, j'y connais rien, c'est sans espoir. Allons, ne vous démontez pas pour si peu. Vous voulez faire un grand nettoyage, oui ou non? Ben, oui. Alors, on va s'y mettre. Et ensemble, on va y arriver, d'accord? Vous allez m'aider? Oui. Allez, au boulot. Moi, je m'occupe du salon. Et moi? Vous allez rouler toutes vos paires de chaussettes en boule. Ok. Ça, je dois pouvoir y arriver. Il est 19h30, le dîner est servi. Ça sent bon. C'est encore du somta? Non, le soir, c'est plat unique sans viande. Légumes vapeur, tofu et riz blanc. Je peux avoir un peu de beurre? Tu es sûre? Tu sais que c'est plein de graisse animale très mauvaise. Ah bon? Ben non alors. Pauvre gamine. Il y a un problème, Robert. Oui, je veux du beurre moi aussi. Jamais, c'est mauvais pour ton cholestérol. Si j'en ai, c'est à cause du stress. Et tu veux savoir ce qui me stresse? Je suppose que c'est moi, c'est ça? Parfaitement. Eh bien, pour une fois, tu as le courage d'exprimer clairement tes opinions. Oui, et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Eh bien, vas-y, je t'écoute, on a toute la soirée. Alors, ça roule? Bah, en fait, j'ai des tas de chaussettes, mais pas deux de la même couleur. Et vous, où vous en êtes? J'ai presque fini la poussière, mais à vous de m'apprendre une astuce. Comment on nettoie ces bidules? Oula, ça se nettoie surtout pas, ça! Mais qu'est-ce que c'est? Ma console! Bah, allons bon! À quoi ça sert? À jouer à des jeux. Des jeux vidéo. J'en peux plus. Je t'avais prévenu. Dis, si on se regardait un film maintenant, j'ai des chips dans mon sac, ok? Un bon vieux film d'horreur, ça te va? Ok. Allez, les filles, les dents et au lit. Au lit? Mais il est 20h30. J'ai ma compète de danse demain matin. Mina, n'oublie pas de mettre ton réveil à 6h. 6h? Tu sais, si t'as envie de partir, je t'en voudrais pas.
C'était sympa, Amina. Vraiment, ça m'a bien changé les idées. Mais t'as envie de retrouver ta maman cool et ton chez-toi tranquille. Je te comprends. J'ai trouvé les cristaux magiques! Oh, Lou! T'es déjà là? Je vais t'expliquer. J'ai voulu faire le ménage, je te jure! Ah, c'est vrai, je confirme. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé. Mais c'est elle qui a voulu jouer. Ah, c'est vrai, je confirme. Alors, on a commencé une partie. Je confirme. Elle voulait découvrir Protox. Un seul personnage, ce Protox. Enfin bref, avec tout ça, j'ai pas pu ranger. Oh non, t'es encore fâchée, ma louloute? Pas du tout. À vrai dire, je suis même drôlement contente d'être de retour. Super. Mais alors, où tu vas? Chez Gino, chercher une pizza royale pour fêter ça. Ok. Allez. Oh non! Ça reste mon groupe préféré. Ouais, enfin bon. Franchement, leur dernier album, j'étais hyper déçue. N'exagère, ils ont un super son. Très chouette appartement. À la fois simple et convivial, et puis il y a de bonnes vibrations dans cet immeuble, non? Ça dépend si on paye son loyer à temps. Vous avez rempli l'affiche? Oui, tenez. Tout y est, j'ai pris ma plus belle écriture. Je me présente Alexander Granger. Mes amis m'appellent Alex. Merci, monsieur Granger. Quand est-ce que je saurai si je suis choisi? Aucune idée, c'est le propriétaire qui décide, pas moi. Salut les filles, vous habitez ici? Alors peut-être à bientôt. Allez Mina, viens, suis-moi. Madame Schurm, attendez. Bonjour, une petite question. Le monsieur, là, Alex, il a visité l'appartement du quatrième? Oui, pourquoi? Pour rien, je m'intéresse à mon futur voisin, c'est tout. Pour l'instant, il n'a pas encore l'appartement. Et vous pensez qu'il a de bonnes chances? Ça a l'air correct. Aime les bêtes et les Harley Davidson. Non-fumeur, parle couramment le serbo-croate. Célibataire. Célibataire? C'est plutôt positif. Mais ce n'est pas moi qui choisis. Bon, allez, j'ai du courrier à trier, moi. Mina, ça y est, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est lui. Qui ça? Le prince charmant. Je t'assure, je sais que c'est lui. Tu t'emballes, Lou. Moi, je ne trouve rien d'exceptionnel à cet Alex. Il est célibataire, il parle le serbo-croate, il est cool, il est fait pour ma mère, quoi. Admettons, mais c'est pas encore ton voisin. Ça, c'est parce que tu ne crois pas aux contes de fées. Hé, tu veux un truc à boire? Non! Non! N'ouvrez pas le frigo! Vous gardez un chien mouillé là-dedans ou quoi? Non! Des vieux choux de Bruxelles! J'avais complètement oublié! Oui, c'est un reste des conserves envoyées par mamie pour Noël l'année dernière. On pourrait peut-être enfin les jeter à la poubelle, non? Ok. On joue ça à Super Mario Kart? Ça marche. Bon, ben je vous laisse jouer aux petites voitures. À plus. Voilà, c'est ici. L'immeuble
table a l'air très calme. J'espère que ce n'est pas qu'une impression. Ma fille prépare des examens très importants. Elle a besoin de silence pour se concentrer. Lou, attends, j'y suis presque. J'ai pulvérisé le record du tour sur le circuit arc-en-ciel. Acclamez la nouvelle championne. Tu t'entraînes la nuit ou quoi, Adi? Bonne chance, maman. T'emballe pas, moi aussi je sais conduire. Tu voulais me dire un truc, Mina? Alex, ton prince charmant, ben il a de la concurrence. Il faudra rafraîchir un peu, mais c'est coquet. Dis donc, elle délire complètement cette télé. Faudrait vraiment qu'on la change. Tu veux me rendre sourde? On avait parlé d'un défi à la régulière. Ok, reste zen. Allez, on s'en va. Ce vacarme est tout bonnement intolérable. Inutile de me raccompagner. Je n'en avais pas l'intention. Bonjour, je suis Sandro Baldini. C'est bien ici l'appartement à visiter? Oui, suivez-moi. Oh non, encore un, c'est déprimant. De quoi tu te plains? Y a pire comme voisin, non? Y a surtout mieux. Alex? Je ne suis pas d'accord. Sandro, il est plus classe, plus beau, plus tout, quoi. Peut-être, mais Alex, lui, il est plus cool. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as juste vu 2 secondes. Si ça se trouve, ton Alex est un dangereux psychopathe ou pire, un dentiste. Tu parles? C'est ton Sandro qui est louche. J'ai le nez pour ça, moi. Je suis sûre qu'il déteste les chats. Il a une tête à ça, lui. Ça m'étonnerait. Tiens, on va voir. Monsieur, s'il vous plaît. Ma copine, qui est peut-être votre future voisine, voudrait savoir si vous aimez les chats. Ben oui, pourquoi? C'est un super prince charmant. Beaucoup de gens aiment les chats, ça veut rien dire. Je vous mets aussi le numéro de ma femme, au cas où. Sa femme? Tu parles d'un prince charmant? Ton Sandro, il est marié. Oh, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et il a beau être marié, il peut très bien devenir ton voisin. T'as raison, ça va se jouer entre Sandro et Alex. Eh oui, t'as une chance sur deux d'avoir le bon prince charmant comme voisin, ma grande. Ça y est, je stresse. Heureusement, il y a un remède. Une grosse glace chez Gino. Ouais. Aïe, j'ai l'impression que les chances de ton prince charmant diminuent. La planète Shootbrooksor s'autodétruira dans H-10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, maudite engeance puante. Si vous croyez que je vais m'abaisser à vous toucher, eh bien vous vous trompez. Vous ne m'aurez pas. Je suis et je resterai à jamais votre pire ennemi. À nous deux, Dario Kart, et à toi les choux de Bruxelles, ma louloute. Ouf, c'était le dernier. Je n'en peux plus de grimper jusqu'au 4e. Alors, Madame Schurm, à votre avis, qui va l'avoir cet appartement? Je n'en sais rien et je m'en fiche éperdument. Tout ce que je veux, c'est quitter mes pantoufles et boire une bonne tisane de queue de cerise. Oh non! Les fiches! Je les ai oubliées là-haut! Bougez pas! On y va! Oh, ça, ce n'est pas le refus. Tenez, voici les clés. Merci, les filles. Ne me dis pas que tu vas traficoter les fiches des autres candidats. Ben quoi? Je fais rien de mal. Je corrige juste quelques petites erreurs. Tiens, par exemple, le 8 dans ce numéro de téléphone. On voit pas bien que c'est un 8. Évidemment, puisque c'est un 3. Plus pour longtemps. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Oui, ça s'appelle donner un petit coup de pouce au destin amoureux de ma gentille maman. Quelle poisse! Oh. Alors? Mais comment t'as réussi un score pareil? T'as triché, c'est pas possible. Moi, je sens plus mes pouces. Et n'oublie pas ton masque à gaz pour vider le frigo.
salut. Tu sais pas la nouvelle? Vas-y, raconte. La concierge vient de me le dire. Alex est officiellement votre nouveau voisin. Ouais. Il n'a plus qu'à signer le contrat de location. Génial. Madame Chiume t'a dit quand il allait arriver? Il est déjà dans son appartement. Oui. Viens, on va aller le saluer. Ça se fait entre voisins. Attention, le conte de fées va commencer. Entrez. Hé. Béatrice, viens ici. Béatrice? Vite, aidez-moi à l'attraper. Merci, les filles. Ou plutôt, chère petite voisine. Hein? Voisine? Ça dépend. Vous comptez vivre ici avec cette... Mais bien sûr, c'est Béatrice, ma migale. Alors, ma chérie, elle te plaît, ta nouvelle maison? Il est top, ton futur beau-père. Le malade Omigal, là, mon beau-père? Jamais! Et pas question non plus de l'avoir pour voisin. Trop tard, Madame Chiume va arriver avec le contrat de location. Tant qu'il n'est pas signé, il y a de l'espoir. Hé! Hey! Cette fois, Lou m'a eu. Mais un jour, je le jure, j'aurai ma revanche. Bah, c'est répugnant, je vais vomir. Une minute. Qu'est-ce que tu fabriques? J'en ai besoin, mais c'est gentil de l'avoir sorti du frigo, à plus. Mais... Coucou, c'est Renou. Et Béatrice? Elle est dans sa cage, pourquoi? Oh, comme ça. Si j'étais vous, je boucherais la conduite d'aération de ma salle de bain et en quatrième vitesse. Ah bon? Et pour quelle raison? C'est la seule chose à faire quand il y a un refoulement d'égout dans l'immeuble. Oui, sinon l'odeur est intenable. Une odeur? Quelle odeur? Je ne sens rien. Zut, on est arrivé trop tard. Non, c'est immonde. On dirait des choux de Bruxelles pourris. Ça arrive souvent, ça? Mais pas plus d'une fois par jour, heureusement. Et puis, rassurez-vous, à force, on finit par s'y habituer. Vous expliquerez ça au prochain locataire. Moi, je m'en vais. Allez, bye. Et voilà. Ciao. Lou, et si tu allais te changer maintenant? Les choux commencent à attaquer le tissu de tes poches. Avec toute cette histoire, le conte de fées de ma mère est revenu à la case départ. Pardon, vous savez si l'appartement du quatrième est toujours alloué? Oui, bien sûr. Allez voir la concierge, Madame Chiume. Elle est dans sa loge. Merci. Et peut-être à plus tard, voisine. Oh non! Tu vas pas recommencer! Il est parfait! Maman va l'adorer, c'est clair! Je suis sûre qu'il aime les expos d'art moderne, la nourriture bio et les pandas. Oh oui! Et tu sais ce que ça fait de lui? Un grand nigaud avec un gilet en peau de mouton mort. Non, un prince charmant. We'll be right back.
J'ai bien aimé ton CD de flûte de pan, mais franchement, niveau musique, je préfère la guitare sèche, tu vois. Ce serait pas parce que Tristan joue de la guitare sèche, par hasard? Oh, bah ouais, peut-être bien, oui. Hé, hey, Lucien. Salut les filles. Et au fait, joyeux Halloween. Ah, non. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Halloween. J'avais réussi à l'oublier quelques minutes, mais voilà, le cauchemar recommence. Oh, pauvre petite chérie, je voudrais pas t'inquiéter, mais après, il va y avoir Noël, le premier de l'an, les vacances scolaires, et pire encore, ton anniversaire. Tu comprends pas, c'est pas Halloween qui m'inquiète, c'est Halloween organisé par ma mère. C'est simple, depuis que je suis née, chaque Halloween, c'est la même chose. Ah, c'était pour rire, ma louloute. Ma mère est à fond dedans. C'est Halloween. Alors forcément, à la longue, ça lasse. Ah ! Ben alors, louloute, c'est Halloween, quoi ? T'exagères pas un peu ? Ah ! Tu crois qu'elle changerait de costume, en plus ? Ben non. Yeah, les filles, c'est Halloween ! Ils avaient eu la frousse, hein ? Et attendez, c'est que le début. Alors, au programme de ce soir, bon bec à gogo pendant qu'on se raconte des histoires totalement terrifiantes. Sans oublier le clou de la soirée, la nuit des zombies 1 et 2 en collector, total hémoglobine non censurée. Oh. Tiens, ton CD de flûte de pan. Alors, t'en dis quoi, ma louloute? Maman, je préfère être sincère, tu sais. Tes fêtes d'Halloween, elles sont très chouettes, mais elles me font plus peur du tout. Ah, mais... Il est tard et il faut que je vous laisse. Bon, bah, à demain. Salut. Bon. Amusez-vous bien. À plus. En plus, après-demain, j'ai contrôle d'espagnol et la note compte pour tout le trimestre. Alors ce soir, c'est pizza et révision. Prenez garde, monsieur. Vous avez perdu votre bras. Au secours! N'ayez pas peur, mademoiselle. Les zombies craignent le soleil. Oui, mais aujourd'hui, il pleut. Maman, t'es réveillée? Ben, maintenant oui. T'entends, il y a quelqu'un qui joue du violoncelle? Non. T'entends pas? Si, mais c'est pas du violoncelle, c'est du violon. Ouais, ok. Bon, ben, en tout cas, moi j'ai sommeil, alors il faut trouver qui c'est et lui dire d'arrêter. J'ai trouvé! Ça vient de là! L'appartement d'à côté, mais il est vide, il n'y a pas de locataire. Si ça se trouve, il y a un musicien qui s'est installé dedans. Bah, ben on n'a qu'à lui demander gentiment d'arrêter. Youhou! Hé, hey, vous ne pourriez pas remettre votre répétition à demain, s'il vous plaît? C'est fermé. Tu veux pas aller prévenir la gardienne? Je reste là pour parler au musicien si jamais il se décide à ouvrir. Ok, j'y vais. Hé, dis donc, Miss Trinquette! C'est toi qui joues du violoncelle? C'est pas du violoncelle, c'est du violon. Et puis vous voyez bien que c'est pas moi, non? Ouais, c'est pas une preuve. À quoi elle sert cette cage? À rien. Un bon taxidermiste est un orfèvre du poil. Regardez. Je ne prête plus devant tous des bouchées vieilles après 10h du soir. Ça suffit. Mais c'est pas pour ça, Madame Schurm. Désolée de vous déranger si tard, hein, mais il y a quelqu'un qui joue de la musique dans un appartement au 4e. Quoi? Je vais lui dire ma façon de penser à ce yéyé. Ben, c'est pas vraiment un yéyé, hein. Il joue du violon. Du viol? Du violon? Ben oui. Je pensais que c'était du violoncelle, mais en fait, non, c'est du violon. Léonie de Bigalski, bigre, il ne faut pas y aller. Hein? Mais, hé, attendez, c'est qui Léonard Bidulski? Personne, mais il ne faut pas y aller. Ah bah alors là, c'est ce qu'on va voir. Il est tard et je veux dormir, moi. Bon, je vais m'en occuper. Non, n'y va pas. Mais enfin, ils sont tous dingos dans cet immeuble, c'est pas possible. Youhou! Allez, ça suffit maintenant, ouvrez. Rien à faire. Hé, le musicien, je vous préviens, on entre. Il y a quelqu'un ?
ça venait bien d'ici pourtant. Faut croire que non. Ah ! Oh, alors, vous l'avez vu ? Qui ça, truc Machinski, là ? Léonide Bigarski ! N'écorche pas son nom, malheureuse ! Oh non, ça va pas recommencer avec cette histoire idiote. Ah, tu le connais toi aussi, mais c'est qui? C'est la légende de l'immeuble, un truc complètement bidon. Il paraît qu'il y a longtemps, un soir d'Halloween, un violoniste aurait été enfermé... Emmuré, pas enfermé, emmuré vivant dans une des caves de l'immeuble par son voisin de palier qui n'en pouvait plus d'entendre son violon. Et une nuit de pleine lune en plus. Blablabla, on m'a déjà raconté cette histoire quand j'ai emménagé. Figure-toi que notre appartement serait celui de l'assassin et que sa victime, Léonide Bigalski, aurait habité ici. Vous ne devriez pas prendre cela à la légère. N'empêche que d'après la légende, le fantôme de Léonide reviendrait se venger à chaque conjonction entre Halloween et la pleine lune. Oh. Bon, ben moi je vais me recoucher, mes amitiés au fantôme. Oh. C'est lui, c'est le fantôme, il est sur le toit maintenant. Oh, je commence à en avoir ras-le-bol, il y a un idiot qui nous fait une blague, voilà la vérité. Eh bien il va m'entendre. Non, n'y allez pas, il veut nous attirer pour assouvir sa vengeance. Reste ici ma poulette, c'est trop dangereux. Bouh, j'ai peur, le méchant revenant va m'emmurer, c'est horrible. Oh là là, j'ai les super chocottes. Maman, t'es sûre que tu veux y aller? Coucou, alors où il est, l'afro-poltergeist? Maman, t'es là? Maman! Maman! Réponds! Et voilà! Quelle misère! La prophétie va s'accomplir! Léonide va se venger! Oh, mais vous, ça suffit avec vos histoires à la noix! Il y a forcément une explication rationnelle! Maman a dû prendre l'escalier de secours, c'est ça, elle a dû rentrer! Maman? Maman? Elle est pas là? D'après la légende, le fantôme tient à se venger là où il était emmuré vivant, dans les caves. Dans les caves? Mais... Écoute, si tu veux retrouver ta mère, il faut y aller. Je rêve ou quoi? On se croirait dans un mauvais film d'horreur. On ferait mieux d'appeler la police. Un soir d'Halloween? Jamais ils ne nous croiront. Non, fais-moi confiance, il faut aller à la cave, et vite! Là, surtout reste bien derrière moi. J'ai une protection contre le mauvais œil. Une patte de poulet? Merde, c'est dégoûtant. Peut-être, mais voilà 30 ans que je sors les poubelles le soir et je n'ai jamais eu de pépins. Qu'est-ce que vous fichez là? Non mais dites donc, et vous d'abord? Je chasse les rats, bien sûr. Ah, c'est pour ça les petites cages. Exact, et ce soir j'ai rien pris. Avec la petite du quatrième qui joue de la cornemuse dans les caves, c'est pas étonnant. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. Et en plus, c'est du violon. À d'autres, allez. Je vais relever mes pièges à pigeons sur la terrasse. Allez ma petite, on y va. Reste là, ça vaut mieux. Moi, j'ai ma patte de poulet protectrice. Mais... Allez.
Merci à Lucien, violoniste amateur, spécialiste en effets spéciaux, sonores et visuels, et à Madame Schurm, comédienne de talent. Et l'ancien avec ses cajaras? Ah non, lui ce n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, j'ai eu une de ses frousses en le voyant. Pas autant que moi en voyant le fantôme. Quand même, vous êtes givré de m'avoir filé une trouille pareille. Oh, allez ma louloute, c'est Halloween quoi. Oui, il m'aime à la folie. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un rideau. Mina, c'est une catastrophe. Arrête, je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Peut-être que le soleil le gêne. Mais il est couché, le soleil. Ok, mais ne commence pas à déprimer, hein. Et si ça se trouve, il lui joue un morceau de guitare. Oh, oh non, j'imagine la scène. Elle l'écoute, elle est sous le charme, elle s'approche de lui, et elle... Oh, c'est officiel, je déprime. Mais enfin, Lou, réfléchis un peu. Tristan et Solène, ils ne sont pas dans le même monde. Elle, ce qu'elle aime, c'est le rouge à lèvres pailleté et les potins de star. Elle fait aussi du karaté, je te signale. Ok, mais avant tout, elle adore les soirées pyjama. Mina, t'es géniale, hein? Je t'expliquerai plus tard. Hé, hey, Lou, t'es là? Oh, Lou! Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau! Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Tiens, prends ça, toi! Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis, et ça, c'est pas bon à mon âge. Oui? T'as cru m'avoir, hein, tête de poule. Donc, j'ai décidé d'inviter les filles de ma classe à une soirée pyjama. Yes! Je t'ai eu, gros naze. T'es d'accord? Hein? De quoi? Une soirée pyjama? Oui. Et c'est une super idée, ça. On pourra faire des pop-corns au micro-ondes et regarder un film d'horreur et... Maman, les soirées pyjama, a priori, c'est sans les adultes. Ah bon? Non, je t'en supplie, Loulou, t'invite-moi. Je me ferai toute petite, j'ai toujours rêvé de participer à une de ces soirées. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Salut, à plus. Ciao. Bon, alors, c'est quoi déjà au juste mon idée géniale? Voilà, j'invite Solène à une soirée pyjama et au cours de la soirée, on joue à Action Vérité. Et là, je lui pose la question... Que faisais-tu chez Tristan jeudi soir? Et elle est obligée de répondre. Tadam! Sauf si elle choisit action. On lui laissera pas le choix. T'as raison. Ce plan est totalement génial. Reste à l'inviter. Il y a vraiment des jours où je m'épate, moi.
Voilà, tu sais tout. C'est marrant. Je savais pas que tu aimais les soirées pyjama. Ben, en fait, si. Alors, Solène, ça te dit? Moi, je trouve que c'est une super idée. On n'avait rien prévu samedi. Mais c'est-à-dire que je pensais... On arrivera vers 8h, hein, les filles. Ouah, génial, une soirée sans adultes. Sans adultes? Je pensais que... Ne nous dis pas qu'il y aura tes parents. Non, bien sûr que non. Bon, à samedi alors. Salut. Alors, à samedi. Alors, on a trois problèmes. Petit 1, Solène vient, mais ses copines aussi. Petit 2, va falloir empêcher ses copines de parler à sa place. Petit 3, ma mère veut venir à la soirée. Et ça, c'est pas possible. Tu m'as pas dit que tes parents organisaient un truc samedi? Un dîner chicos avec les collègues de mon père. Mina, tu viens encore de me donner une idée géniale. Tu sais, je ne pense pas que ton père apprécierait qu'on invite une personne qu'il connaît à peine. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, ma grande. Comment ça se fait que c'est toujours papa qui décide de tout? À 20h30, vous voulez que j'amène quoi? Rien, vous êtes sûre? Ben d'accord, alors, c'est vraiment gentil de m'inviter, je... Ok, à samedi alors. Lou, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? J'ai accepté une invitation à dîner, la mère de Mina. C'est samedi en même temps que la soirée pyjama. Je pourrais pas être là, t'es pas trop déçue? Il faut accepter de voir un jour ses parents voler de leurs propres ailes. C'est dans l'ordre des choses. Je me demande parfois comment tu peux être aussi mature. Yes! Ah, vous voilà enfin, on n'attendait plus que vous. Oups, mince, c'était une soirée déguisée. Comment ça? C'est pas une soirée déguisée? Bon, ben, en tout cas, j'ai apporté de la musique. Vous avez vu les filles? J'ai un nouveau pyjama. C'est pas le même que la dernière fois? Non, l'autre, il était rose. Mais vous êtes cloche ou quoi? C'était pas le même rose. Super fun ta soirée, presque aussi fun qu'un enterrement. T'inquiète, je vais arranger ça. Hé, hey, les filles, et maintenant si on jouait à Action Vérité? Ah non, maintenant c'est pile le bon moment pour regarder un film et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Vous permettez que je mette autre chose? Oui, oui, allez-y, évidemment. Vous n'êtes pas très rock, c'est ça? Le buffet est prêt. Je te félicite pour le choix judicieux de ton invité. En tout cas, elle est moins coincée que les tiens. Sympa le mini sandwich. J'ai lu son dernier livre, Il baisse. Sa vision du structuralisme dans notre société moderne est d'un vulgaire. J'aurais souhaité qu'il parvienne à dépasser le moderne à la crème. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais rien, mon chéri. Voudrais-tu passer le reste de tes jours à mes côtés, douce Amandine? Je ne sais pas, car tu n'es qu'un simple palefrenier. Dites, les filles, ça vous dirait pas plutôt un bon film d'horreur? Pas plus fort que mon père, il est très musclé. Tu vas mourir, petite boule de mozzarella maudite. Je n'ai pas du tout dit mon dernier mot, mini tomate des enfers. Oh, flûte. Je suis partie. Ma vieille, il ne faut pas te voiler la face. Tu passes la soirée la plus lourdingue de toute ta carrière d'être vivant. Un amazing hand. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aimerai toujours. C'est beau comme du vernis à ongles, la paillette dorée. Et tellement romantique.
Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bataille de Colochon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est un flipper de collection. Robert interdit formellement d'y toucher. Tu veux dire qu'il a un flipper mythique comme ça chez lui et qu'il ne joue jamais avec? Évidemment, quelle idée! Tu veux pas essayer? Allez, juste une petite partie. Bon! Il y en a marre! Maintenant, on joue à action-vérité, sinon je réponds plus de rien. Bah tu vois, quand on leur parle gentiment... C'est vrai que c'est rigolo comme tout. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu y joues. Eh bien, si. Mais tu faisais quoi au collège après les cours? Mes devoirs. D'accord, ça devait pas être très marrant ta vie d'ado. C'est ce que je commence à me dire, effectivement. Là, derrière vous, mon chat. Alors, Solène, action ou vérité? Vérité. Parfait, voyons. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander? Attends. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais jeudi soir chez Tristan? Bah, Tristan avait besoin de mes conseils en maths parce que je suis la première, alors je suis montée chez lui pour l'aider. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Et les rideaux? Pourquoi est-ce qu'il a tiré les rideaux? C'est moi qui lui ai demandé. Je voulais les voir en entier. Ils sont ridicules. Il y a des petites guitares dessinées dessus. Je le savais. Il aurait pas pu me faire ça. Pourquoi? T'es amoureuse de lui? Rien ne m'oblige à répondre à cette question. Je choisis action. Ok, alors moi j'ai dit que tu dois téléphoner à Tristan et lui dire que t'es amoureuse de lui. Allez, dehors. Mais enfin, et la soirée pyjama, tu peux pas l'arrêter comme ça? Bien sûr que si, je peux. On n'a qu'à dire que c'est mon gage. Tu assures au baby-foot, dis donc. Tu dis ça pour être sympa. Quand je joue au baby, je suis jamais sympa. Lou, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Joss, ça te dirait une petite soirée pyjama? C'est-à-dire que... Et la soirée de Robert? Les invités? C'est toi qui vois. Tu sais quoi, maman? Tristan a des rideaux avec des guitares dessinées dessus. Génial. J'adore. Moi aussi. Rose ou blanc? Voyons, que ferait Sidéra dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Oh, hey, ça,
ça va bien? Qu'est-ce que... Salut. Oui, ça va, j'achète du... pour... enfin, tu vois quoi. Ah oui, pour... Bon, ben alors, à la prochaine alors, ok? Ok, à la prochaine. C'est tout? Ben, quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, hé, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopouf et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh. Quand on parle du loup... Et voilà. Quoi? Qui c'est la petite vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée de jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller. Loulou, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non! Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois? Si tu le dis. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Tiens! Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok, bon. Sinon, ta robe est finie. Ouais. J'aimais bien mon pull rouge, en fait. Hey! Bienvenue dans le temple du jazz. Génial, ta robe. Ah, ben, oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine prof de langue orientale. Et passionnée de jazz, comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, le... enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue du... plus précisément, du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort, c'est hyper original en jazz. Ben, si tu le dis... Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découper sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de bobo. Pas de sucre, sale ballonne. Juste une pomme, il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Ben, où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, Monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien, t'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Oh, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir et j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'une heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou... T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements. Waouh, Bob, t'es quoi, fort. Ça t'a plu? Tu parles, j'ai adoré. Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Super. Un bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Ben oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec.
Lou. T'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. Leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Hé! Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Ben voilà, c'est malin. Maintenant, on a deux chiens à retrouver. Bien vu. Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut! Ouais, c'est ça. Salut! D'aller chercher ta flûte à bec. Et c'est-à-dire qu'elle est en révision chez le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une, il va te la prêter. Ah, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, ben moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haïfong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'un mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragons d'un géant qui traînait sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit. Depuis 1946. Je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoutou. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. Toujours fâchée? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part. Ce dog sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie. Attends, il y a du nouveau. Ouah, t'as retrouvé les chiens? Pas moi. Bah alors qui?
paranormal. Allez, salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire, en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire une heure. Tu sais que t'es douée, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. Dis-moi, bonsoir, tout s'est bien passé? Oui, impeccable. Il a eu sa viande en petits cubes, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolé, vraiment, je... Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Mon boubou. Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein?